Vas-y, dites-moi le trou. Bon, vous allez bien? Ils vont bien vos indics? Impeccable. Bon, super alors. Ouais, je voulais voir par rapport, vous avez vu pour les vidéos tout ça? Les vidéos. Bah les vidéos, vous savez là, comment dire, du scolopendre, vous savez, le tir par mégarde et tutti quanti si je Oui, me permets. tout à fait, on vous voit bien sortir votre arme et tirer. Ouais, vous avez bien vu que c'était pour défendre quelqu'un qui était dans une situation critique. Ouais, vous étiez pas loin de lui coller une balle dans la gueule. Non, j'aurais jamais fait ça, c'est un de mes employés, voyons. Je vous enverrai un mail à cet effet, on n'en parlera pas aujourd'hui. Très bien. Et je voulais vous demander autre chose, monsieur. Dites-moi le trou. Vous en savez un peu plus sur les appairs? Sur les APR. Ouais, ça vous dit rien, APR? C'est-à-dire? Le Golbut qui parle sur Twitter, là? Ouais, mais c'est pas qu'un Golbut, hein. Vous devriez vous méfier, hein, monsieur. C'est-à-dire par rapport à quoi? Bah, par rapport à quoi? Ils se vantent quand même d'alimenter la ville en armes illégales, hein. En quelle année? En où ça? Quelle année? Ah, mais vous étiez pas là à ce moment-là, malheureusement. Faites attention, hein. Et le Raven, il joue bien sa comédie, mais il travaille avec vous ou pas? J'aimerais savoir, en fait. Parce qu'il Alors là, provoque, il non, provoque pour se négatif. prendre des coups, donc... Je peux vous assurer que c'est pas le cas. Hein. Ok. Si à part les services du LSPD, je bosse avec personne. Donc sur les APR, vous savez rien? Non, absolument rien. Ni sur les Russes, ni sur APR. Pour l'instant, c'est qu'un nom sur du papier. C'est qu'un nom sur du papier? D'accord. Bon, bah, on arrête la conversation ici, alors. Très bien, merci, mon capitaine, d'avoir pris le temps. Bah, pas de souci. En vous souhaitant une bonne journée. Excusez-moi, j'ai des factures en attente, mais des factures problématiques. Elles ont été posées alors qu'elles ont été annulées ou autres. Ah. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut m'en débarrasser ou pas? Je vais regarder les opérateurs de ma table informatique pour jeter un coup d'œil là-dedans, je pense. Je devrais leur en toucher un mot. Merci beaucoup. Je vais voir ça de mon côté. Et d'ailleurs, faites gaffe à Monsieur Raven. Ouais, faudra peut-être me dire pourquoi un jour. Parce que c'est bien beau de me lancer des trucs comme ça, mais s'il n'y a rien derrière, ça va pas beaucoup m'aider. Ouais, mais vous savez, le problème, c'est que je vous fais pas confiance à 100% encore, mon capitaine. Ah bah ça, je vous assure que c'est réciproque. Eh ben voilà. Comme ça on est deux. Bah ouais, pour une fois qu'on se rejoint sur un truc, ça me fait plaisir, tiens. Et on ira boire une bière ensemble à l'occasion. Ah, ça me ferait plaisir, c'est moi qui la paye. Avec mes 5000 balles et votre nez cassé. Mon nez cassé, rappelez-moi, rafraîchissez-moi la mémoire. Non, ça ira, c'est une vieille histoire. Ouais. J'espère par contre que votre voiture ça va bien. Vous savez, depuis que vous avez foncé dans une bite. Bonne journée, hein, monsieur Magal. Oui, messieurs. Ouais, tu décroches pas, Dawson. Non, mais en fait, je viens juste de quitter le capitaine, là, en fait, donc... Ah, d'accord. Voilà. Il y a aussi Merlin. De quoi? Parking du Nord, avec la meuf. Ah, mais là, la meuf, je viens de la voir, elle est pas tatouée. Non. Mais attends, il fait quoi, Parkinson, là, ce chien? Monsieur McBalagaman. Bah, plus jamais vous me frappez d'abord. Ouais, mais je te frappe pas tant que tu le mériteras. Eh ben voilà, c'est tout ce que je vous ferai parce que je vous taperai plus. Tu vas quand même te chercher. Parce que la gifle que je vous ai mis. Attends, parce que là, y a encore Raven là qui fait son malin là. Je m'appelle. Je dois le décoller là, je t'avoue. Non, vous n'avez pas le décoller. Je viens te chercher, je laisse Parkinson ici, il les surveille. Ouais. Ou Dawson, et je viens te chercher, et puis je t'emmène là. Tiens, monsieur. Va falloir que t'arrêtes, hein. Non, c'est vous qui allez arrêter d'abord. Non. Tu en fais un troisième fois, je t'en connais, mais tu seras au courant. Là, non, je ne ferai pas. Dépêche-toi. Non. Vas-y, refais-en un. Vous êtes sur mon trottoir. Vas-y, refais-en un. Vous êtes... Non. Mais il est complètement malade. Eh, mon capitaine. Eh, mon capitaine, embarqué dans ce chien, je vais l'enfiler. C'est pas mon capitaine, c'est le mien, du capitaine. Qu'est-ce qui se passe? Il me fait des doigts d'honneur et il dit que c'est son trottoir, ce chien-là. Et je suis pas un chien. Eh, je vais t'en coller une, hein. Arrêtez. Non, c'est moi, je vais. Non, bah non, je vais pas t'en coller. Mais, oh, vous faites chier, hein. Pourquoi bon, messieurs, on va couper la poire en deux. Vous allez chacun partir pas, dans une mission, parce que sinon, c'est moi qui vais distribuer des baffes. Bah, je peux moi savoir qui vais pourquoi il est surprotégé, ce gamin-là. Mais quel surprotégé? On surprotège beaucoup... personne. Ah, il est dans beaucoup d'histoires, il est toujours pas en garde à vue, celui-là. Hein. Mais des histoires d'eux. Ah ouais, on lui en a collé une devant le Bénise et ça gêne personne. Vous lui en avez collé une devant le Bénise? Bah ouais, parce que ce mec s'amuse à provoquer tout le monde en ville, et dès qu'on lui en colle une, il appelle la police. Il est malin, exactement comme ce qui s'est passé la dernière fois. Bah vous avez qu'à faire la même chose, bah si non, vous voulez pas avoir de problème. Bah non, on dirait que vous avez pitié de son cerveau, putain. Bah en même un peu, temps, ouais, oui. Je vais pas vous mentir. Bah c'est pas possible, et dans ces cas-là, il a le droit de tout se permettre en ville, alors c'est ça? Ah non, pas du tout. Ah bah pourtant, il se permet beaucoup de choses. Vous êtes sûr? Parce que les cellules sont permis beaucoup ici ces derniers temps. Il vient de me faire deux doigts d'honneur en me disant que c'était son trottoir ici. Ouais, bah si je le vois faire, il prendra une claque dans la gueule, c'est clair, monsieur Raven. Refaites-le, monsieur Raven, vous venez de le faire, s'il vous plaît. Bah non. Et... Allez, tirez-vous avant que je vous colle un coup de pied au cul. Ouais, j'aimerais bien me tirer, ouais. Barrez-vous. Bah non, mais ma moto est juste ici, hein. Non, mais pas vous. Tire-toi. Bah je m'en vais. Mais sachez que si... Ah non, j'ai perdu mes mots, je vais y aller. Et t'as eu ton permis, toi, hein. Si je te vois... Voyez, encore si une fois, il me parle, enculé, il va me frapper tout le temps. Mais il est complètement malade, mais il est complètement timbré, ce gamin, hein. Et bah les deux, barrez-vous. Arrêtez, je suis Raven. T'es quoi, toi? Raven. Je vais y aller. Eh, c'est légal d'avoir... Eh, attends, c'est légal d'avoir une vitre teintée, là, sur un casque? Eh ben ouais, je suis véhicule, sur une moto. Oui, tout à fait.
Vous pouvez aussi, McGallaghan. Ah, très bien. Eh ben, j'y vais le faire de suite. Et d'abord, si je pars, sachez-le, c'est parce que monsieur mon capitaine, il a dit, et c'est mon capitaine, je pas le vôtre. Ouais, Dawson. Ouais. Ouais, excuse, j'étais avec le capitaine et juste après, moi, il m'a rappelé. Quand y'a pas de soucis. T'es où là? Là, je viens juste de quitter Raven encore qui vient de provoquer là. Eh, mais lui, va falloir faire un truc, hein. Mais quand je te dis un truc, c'est. T'es ou pas dans le nord là? Non. Attends, justement, je vais te demander. C'est où qu'on peut teinter ces vitres de casque? C'est nulle part, tu vas dans un. Tu vas dans une boutique et c'est dans la boutique. Dans les casques. Ok, bah vas-y. On a certains types de casques. Je vais faire ça, je vais changer de fringue et je vous rejoins. Bah, dépêche-toi, parce qu'ils vont se barrer à un moment. Ah non, mais allez-y, hein. Vous vouliez faire quoi là? Non, mais c'était pas, c'était pour la meuf là. C'était pour toi, tu voulais. Prends juste une toffe. Faut pas qu'ils vous voient d'ailleurs. Ouais, bah ça c'est un peu tard maintenant. Hein. Ah, d'accord, ok. Non, bah faites genre vous parler et tout, mais qu'ils vous voient pas de faire de trucs chelous. Ok. Le Sylar. Sylar, c'est un très bon informateur qui est dans aucune merde en fait. Là où le cowboy, je le sens vraiment pas, moi. Hein. Le mec qui a présenté Manu, là. Je le sens vraiment pas, hein. C'est lui, donc. Alors, il est temps de changer de tenue, messieurs. Qu'est-ce qu'on va prendre en ce moment? Pour la réunion demain, faut se faire tout beau. Ouais, ça fait décontracter, ça fait McGallaghan, ma gueule. J'ai mise ouverte? Mais j'ai du 7-5, ça dégage, hein. Putain, je mets des noms, les gars. Ok! Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Le problème, je les vois pas. Vous avez besoin d'aide? Ouais, mais pas de la police. D'accord. Sinon, il y a un parking juste en face. Ouais, si j'y vais, vous inquiétez pas. Si vous voulez des médecins, il n'y en a pas. Hein. Vous allez bien, madame? Ça va et vous? Bah, ça va, écoutez, qu'est-ce qui vous arrive? Bah écoutez, j'ai voulu voir un ami qui était par terre et tout ça, donc l'unité X est venue le récupérer. Ah. J'ai voulu l'aider, mais un gros vieux pervers de merde, là, il s'est frotté à moi, putain. Oula! Comment ça? Mais je sais pas, vous voyez de la position pour fouiller les gens quoi. Parce que je voulais récupérer ses affaires. Mais c'est qui vous a fait ça? Là, le Merlin là. Merlin, je sais pas quoi, un vieux. Et il a essayé de vous violer, madame? Bah à la limite j'appelle ça un viol parce qu'il a commencé, il m'a touché les seins comme ça. Il s'est frotté à moi genre par derrière. Venez, madame. N'hésitez pas à porter plainte, madame, hein, c'est dangereux. Oui, quand mais même. Ce que je vais faire. Oh, putain, je vois pas. Ouais, monsieur Wick, vous savez. Vous allez bien? Ah, ça vous va bien? Bah un peu moins bien maintenant. Hein. Putain, il m'arrête que des merdes. Que des merdes. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Wick? Ah bah le Merlin qui fait encore le malin. Hein. Ça va faire bientôt 2 semaines. Merlin. Attendez, vous. Attendez, vous voulez pas qu'on parle au commissariat? Vous avez un casque? Attends, il faut que j'aille au commissariat. 10-19 avec. Ouais, allez au commissariat, je vous y rejoins. Ça marche. Ouais, monsieur Wick, vous allez bien ou quoi? Ouais, ça va. Je vais me faire percuter par Merlin, mais ça va. Mais putain, ce Merlin, il a l'air de vous faire chier là, non? Ah ouais, mais je vais l'enculer. Vous inquiétez pas, c'est mon cousin, lui. Un peu attardé, mais bon, ça reste mon cousin. Qui, Merlin? Non, lui. Ah, Parkinson. Ok. Ah, mais j'ai déjà eu affaire à lui. Tu fais quoi là, Parkinson? Bah, j'aimerais bien voir le capitaine pour savoir si je peux faire une séance vite fait là avec lui, mais. Ah, je vais voir le capitaine alors. Bah, il est où? Bah, tu vois mon cul là? Ouais. Bah, il est pas là-bas. C'est bien ce qui me semblait. Il est sûrement à l'autre bout. Vous voulez faire une séance de quoi avec lui? De PPA? Bah, ouais. Je suis pas sûr qu'il voudra. Hein. Ouais, aujourd'hui pas, ça risque d'être compliqué. Essaye demain. Bah, demain c'est sûr qu'il y en a donc. Bon, bah voilà, t'attends demain, tu me fais pas chier. C'est pas possible. Ah, c'est le capitaine que je vais faire chier, pas toi. Bah, oui, non, mais je me doute, mais là c'est moi que tu fais chier. En tout cas, jolie veste. Merci, elle me va bien? Ouais, très bien même. Eh, super. Ça me rappelle notre enfance quand tu me complimentais. Ah, c'est vrai, on faisait pas que ça. Elle ressemble un peu à la vôtre. Ouais, monsieur Wick, mais la vôtre, vous l'avez achetée au bled. Pardon? Allez, venez, monsieur Wick. Vous avez dit quoi, là? Dites voir ce... Monsieur Wick, je vous fais confiance, vous avez bossé avec moi. Ouais. On peut tous confier, très honnêtement. Si je vous dis un truc et de le dire à personne, vous le diriez à personne. C'est ça. Si je vous dis que j'ai tué quelqu'un dans la rue, vous le diriez à personne. C'est ça. Bah, j'ai tué personne, mais j'aimerais vous dire. Je suis pas en service. Ouais. Mais je sais, je me doute bien. Bon, si vous êtes en service, vous oubliez pas la famille quand même. C'est ça. Merlin, vous avez des choses à me dire sur lui ou pas? Ouais, c'est un petit enculé. Ouais? Et il travaillerait pas avec un des flics? Pas à ce que je sache. Je sais qu'il traîne toujours avec un dénommé Murphy. Monsieur Merlin traîne avec un dénommé Murphy, c'est ça? C'est ça. Ok. Et monsieur Raven, t'as quoi à me dire sur lui? Ah, c'est un petit enculé. Et il travaillerait pas avec des flics aussi par hasard? Alors, monsieur Raven. Je sais qu'il est souvent avec Ashley. Ouais. Après, avec des flics. Non, il me semble pas l'avoir déjà vu souvent avec des flics. Ouais. Quoi, tu cherches un flic qui traîne avec des gens comme ça? Bon, dans ton commissariat, t'as des taupes. Tu le sais. Ouais, ça, on est au courant. Ouais. J'ai même failli prendre pour ces connards. Est-ce que t'as des soupçons sur qui?
vie, toi. L'agent 27, par exemple. Ça te dit quelque chose, tu sais, celui qui s'est fait passer pour un lieutenant. Ouais, je me souviens très bien de lui. Ouais, ça te dit des choses? Ouais, mais je le connais pas trop, ce mec. Il est pas là souvent, et quand il est là, apparemment, il fait des conneries. Alors, je sais pas. Il y a trois personnes que je connais pas très bien, c'est 27, 06. Ouais, c'est sa pute, ouais. Ouais, et 21, mais du coup, je sais pas. 21, ça a l'air d'être réglo, et si 27 et 06, je sais pas. Si vous devriez mettre quelques pièces sur les taupes du commissariat, vous miseriez sur qui? Ah, c'est délicat, ça, hein, parce que du coup, ça voudrait dire que je mise sur des gens que je connais pas, et du coup, c'est pas réglo. Eh ben, on apprendra à les connaître, d'après vous. Alors venez, s'il vous plaît, venez. J'aime pas trop le... Ouais... Non, mais ici, il y a des caméras et tout, c'est pas... Non, mais on va discuter comme ça. Vous avez confiance, vous savez que je vais rien vous faire, voyons. Ouais, je suis d'accord, mais d'un autre côté, je suis quand même... J'ai un casier vierge, vous inquiétez pas, vous risquez rien à traîner à côté de moi. Pourtant, je vous ai déjà vu en cellule, hein. Oh oui, mais j'ai un casier vierge quand même. Après, vous savez, hein, vos flics sont pas intelligents, hein, c'est pas difficile d'avoir un casier vierge. Ça va, voilà. Je dirais rien là-dessus. Bon, normalement, les caméras, on devrait être tranquille. Pourquoi vous voulez parler en dessous d'un truc où il y a écrit 8? Parce que j'adore la bite. Ok, c'est vraiment si vraiment fallait mettre sur quelqu'un. Ouais. Et que ça, c'est pas sur des supérieurs, je miserais sur 06 et 27. Ok, donc s'il devrait y avoir une taupe qui travaille avec Aper, vous miseriez sur 27 et 06. Mais le truc, c'est que 06, ça me paraîtrait bizarre parce que le mec, il a déjà eu des soucis, ça l'a déjà causé le fait qu'il puisse pas être agent et qu'il reste cadet pendant longtemps. Ça m'étonnerait qu'il cherche vraiment la merde à ce point. Alors, Ouais, mais justement, il peut très bien se calmer et repartir en couille. Ouais. Donc si t'as deux pièces à mettre, tu dirais 27 et 06. Ouais, si vraiment on est sûr que les supérieurs, voilà, sont réglo. Et t'as des doutes sur personne d'autre? Ah, attends, c'est intéressant ce que tu me dis là. Ah bah si, c'est lui. Ah bah si, c'est lui. Ouais. Messieurs, j'arrive. Là, t'es en train de soupçonner un potentiel lieutenant ou capitaine par hasard. Non, mais ce que je veux dire, voilà, on sait pas, hein. Là, on mise tout sur les agents cadets, mais après, on sait pas si ça peut venir de plus haut, hein. Je sais pas, moi. Attends. J'ai travaillé avec personne, on sait pas. Ouais, mais tu sais des choses, ou en tout cas, tu caches des choses. Le capitaine, confiance non, ou pas? Non, moi, je sais rien. Je connais pas ces personnes, je suis jamais avec elles. Ok. Bon, super, monsieur Wick. Ça fait plaisir de discuter avec vous, en tout cas. Ouais, mais après, voilà, on n'a pas parlé, hein. Bien sûr, évidemment. Ça serait tenu. Ouais. Écoute, on essaye de se mettre à la page. Bon, sinon, ça se passe bien pour vous? Ouais, bah ouais, hein. Encore aujourd'hui, on se fait chier dessus, hein. Délit fuite, on l'arrête, le mec, il dit bah non, allez vous faire enculer. Ouais. Et puis, il se passe quoi, et là nous, et nous on est cadés comme des enculés. Oh, regardez cette voiture vitre teintée là. Elle essaierait pas de se barrer par hasard? Ça ressemble à Raven. Non. Ah ouais, c'est Raven. Attends, il peut s'acheter Attends, des voitures Raven, comme ça Raven, il peut s'acheter des voitures. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. J'ai acheté une bagnole, la Jester. Ouais. Et le mec, apparemment sur un coup de tête, il a acheté une genre de Porsche et une voiture comme ça. De qui? Non, Raven. Raven a acheté une Porsche. Ouais, une genre de Porsche. Attends, en bleu. Madame, je peux vous parler deux minutes? On s'est parlé tout à l'heure devant l'hôpital. Ouais, pas de soucis. Très bien, vous pouvez venir s'il vous plaît. Ouais, vous allez bien, madame? Ça va et vous? Eh bah écoutez, ça va très très bien. Vous avez quel âge sans indiscrétion? 24 ans, pourquoi? Rien, c'était sans indiscrétion, encore une fois. Ah, ok. Ah, vous travaillez dans quoi? Je travaille chez les mécanos, pourquoi? Ah, d'accord. Ouais, parce que je vous avais vu devant le Béniz. J'ai dû gifler votre ami Raven, malheureusement. Ouais. J'espère que vous m'en voudrez pas. C'est votre pote, Raven, non? Ouais, bah je m'entends bien avec lui, mais bon, écoutez, hein. Je sais pas après ce qu'il a fait, mais. Voilà, personne n'a raison dans l'histoire, dans un sens. Vous savez que... Bon, vous savez très bien ce qu'il a fait. Il est né sans cerveau, c'est déjà une sacrée erreur. Bah écoutez, hein, moi je trouve que quand on voit quelqu'un qui a une mentalité comme ça, on l'ignore, quoi. On l'ignore, sauf que ça fait longtemps qu'on fréquente cette mentalité, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, bah je vois pas ce qu'il a fait. Enfin, moi, je me mets pas de sa vie. Bah vous allez bien, il vous a pas fait trop de mal, monsieur Merlin? Bah écoutez, pas de mal, mais il m'a touché surtout. Il m'a fait des attouchements, donc c'est pas ouf. Ouais, c'est sûr que c'est pas ouf, ouais. Ouais. Bah, et porter plainte, C'était où qui vous a fait ça, sans indiscrétion? Bah au parking, là, du Nord. Mais pourquoi il vous a fait ça? Je sais pas, parce qu'il trouvait que je l'excitais. Attendez, il y a mon patron qui m'appelle. Allô? Sérieux? Mais non, mais calmez-vous. Jure! Oh mon dieu! Attends, je te rappelle Merci plus Nico tard, pour ok? Les 200 bits. Bah, je vais pas tarder à vous laisser. Oui, excusez-moi. Oui, je disais. J'ai cru comprendre que vous aviez, sans indiscrétion, un petit souci avec un employé. Vous pouvez m'en dire un peu plus, un employé du service taxi, s'il vous plaît? Un employé du service taxi? Ouais. Que j'ai un problème avec un employé du service taxi? Ouais. Non, j'ai pas de problème avec un employé en particulier. Ah, vous avez un problème avec tout le monde en général? Non, pas tout le monde. Enfin, moi, après, ça m'a pas touché personnellement, mais je sais que ça a touché des gens qui m'entourent. Mais moi, je sais pas, je trouve que c'est un coup de chance, je pense. Parce qu'au niveau des tarifs, c'est qui vous entoure sans indiscrétion? Bah,
Franchement, j'ai plus les noms, il y a tellement de gens. Ah, vous êtes bien entouré donc. Ouais, ouais. D'accord. Et vous avez pas de problème avec le service taxi alors? Bah, moi personnellement, non. Mais voilà, il y a un employé qui m'a expliqué. Un employé de chez Bénis? Le fonctionnement, ouais. Des taxis, ouais, qui m'ont expliqué le fonctionnement, parce que je lui ai posé des questions pour ouais. Les gens qui m'entourent, hein. Ah, j'aurais dit, qui ouais, cet mais... employé? Je sais pas. Je vais même pas demander. Alors là, je me rappelle pas du tout, parce qu'il avait l'air nouveau aussi. Ah, et il vous a expliqué le fonctionnement, c'est quoi qui vous a pas plu? Moi, personnellement, ce qui m'a pas plu, bon, après, moi, je trouve que j'ai eu un coup de chance. Oui, monsieur Raven, j'arrive, monsieur. Ouais, bah vite, quand même. Oui, j'arrive. Ouais, vite. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, excusez-moi. Oui, je disais que... moi, je trouvais que le fait de payer les... comment on appelle ça? Faire payer le trajet pour venir nous chercher, c'est quand même un petit peu... Ouais, mais ils fonctionnent pas comme ça, les taxis. Donc, c'est que c'était bizarre, effectivement. Bah, c'est pour ça, moi, je trouvais ça bizarre. Et je trouvais qu'on n'était pas... on n'est pas responsable du trajet qu'il a fait avant. Et je me suis dit, ouais, mais attends. C'est-à-dire qu'il peut se faire un masse de business et tout. Il va au fin fond du Nord. Et nous, on l'appelle dans le sud et tout, il arrive, il facture la bien la masse. Non mais je crois, ok d'accord, je vois de quoi vous voulez parler. M'a expliqué que c'était 37 km, 37 dollars le kilomètre. Ouais mais là le truc c'est que, à moins que la facture soit haute, ça serait une arnaque. Mais si la facture semble raisonnable, c'est pas une arnaque, c'est normal. Faut bien payer l'essence avant qu'ils arrivent, tous les taxis font ça madame. Vous voyez pas le truc au niveau du kilométrage, qu'on fait payer le kilométrage du déplacement en fait. On fait pas payer l'essence, moi il m'a pas parlé d'essence l'employé. Il m'a parlé, oui voilà mon trajet de kilométrage quand j'arrive, quand je viens vous chercher. Voilà moi c'était 2 km, j'ai dit. Ouais bon ok tranquille ta vie enfin ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai à faire et bah, après il me dit plus les 2 km de ouais bah c'est normal il a été réglé avec vous madame ouais non mais tous ça je dis tous pas les taxis contraire. Fonctionnent comme ça madame très bien madame merci en tout cas pas de souci vous venez monsieur Raven ouais j'arrive à un moment ça pousse plus ouais. Messieurs j'arrive ok ouais moi aussi j'arrive messieurs je parle non, avec toi on s'en fout toi on s'en bat les couilles de toi. Ouais, non, par contre, on parle par ici. Non, mais on va parler juste en face, là, t'inquiète pas. On parle ici, là, en face, là. Ouais, voilà, on va parler ici, en face, ouais. Bon, alors, Raven, c'est quoi ton problème, dis-moi. C'est quoi ton problème, monsieur? Bah non, c'est toi qui as un problème. Tu m'as dit que tu m'aimais bien, que tu voulais faire la paix, donc c'est quoi ton problème? Moi, je t'aime bien, mais toi, tu m'aimes pas. Si, je t'aime bien, mais t'es une sacrée salope, quand même. Déjà, pas gentil. Et c'est celui qui dit qu'il est. Ouais, c'est pas faux. Moi, je suis une belle salope. Oui. Mais toi, t'es la sacrée salope. Dis-moi, elle est belle ta voiture? Psartec, t'as vu? Ouais, Psartec, ouais. Eh, même pas besoin de ta vieille entreprise pour me l'acheter. T'as même pas voulu me prendre. Ouais, tu commences à être insolent par contre, hein. Bah, tu m'as traité de salope. Bah ouais, mais je croyais que tu voulais faire la paix. Bah oui, mais du coup, l'effort, il doit venir des deux sens. Bah là, il commence à venir de mon sens, donc on va la refaire. T'as une belle voiture là-bas. Ouais, tu sais, ouais. Et tu l'as eu comment sans indiscrétion? Ça coûte combien, ça? Bah, je dois avoir la notification sur ma banque, je bouge pas. J'en ai eu pour 90 000. 90 000? T'as réussi à te faire 90 000 en ville? Ouais, non, mais c'est mon copain, il me l'a offert. Enfin, je suis pas pédé, putain. C'est mon ami qui me l'a offert. Hey, il s'appelle comment ton ami? Jacques. Jacques, il s'appelle vraiment Jacques? Parce que j'aimerais bien être ami avec lui, vu que je suis. On est amis maintenant, toi et moi, non, Raven? Bah, quand ça t'arrange, c'est Jacques Lévis. Non, ça m'a... Ah! Monsieur Lévis ou Lavis? Il s'appelle comment? Répétez. Attends, je vais dire ça. Lewis, comme la marque. Y a pas de marque qui s'appelle Lewis. Y a Lewis Hamilton, mais ça s'arrête là, au pire. L-E-W-I-S. L-E-W-I-S. D'accord, et vous achetez cette belle voiture? C'est une très belle voiture, ça, monsieur Raven, hein? Bah, je sais pas, il a dit que je l'amusais bien, que j'étais gentil, que je faisais pas trop le con, donc bon. Okay. Je pense qu'il me connaissait pas vraiment, parce que je suis un petit peu... Et il travaille en quoi, monsieur Lewis? Il a l'air gentil, cet homme. Bah, il fait des transports. Ah, et il transporte quoi? Bah, je sais pas. Ah, mais c'est un bon pote à toi, alors, ça veut dire, non? Comment? J'aimerais bien, moi, t'acheter une belle voiture comme ça, un jour. Bah, venez, on va au concessionnaire. Bah, j'ai pas cet argent, hein. Vous pouvez la trouver. Ah ouais? Bah, faites un effort, vous aussi, on va faire la paix, comme ça. Bah, je veux bien faire un effort, mais... Et comment vous voulez le trouver? Jacques Lewis, ben moi j'ai son numéro de téléphone. Et il traîne vers où à peu près là, que je sache juste? Jacques, bah je peux essayer de l'appeler. Non, l'appelle pas, c'est bon hein, Raven, hein, t'inquiète pas. Dis-moi juste, il traîne vers où et puis peut-être que un jour, comme on dit, Inch'Allah, je le croise, tu vois. Si Dieu le veut. Voilà, exactement. Bah, il traîne bien où alors à peu près? Bah, moi je sais pas, à chaque fois qu'il me donne un rendez-vous, c'est souvent dans des lieux sécurisés. Ah, parce qu'il a peur de quelque chose? Bah, je sais pas du tout, moi je lui demande pas. Moi franchement, dès que tu m'offres des cadeaux comme ça, je pose pas de questions. Hein. Ouais, je comprends bien, ouais. Et pardon d'avoir. Hein? Quoi? Il traîne avec beaucoup de personnes? Bah, je sais pas, ça je lui demande pas. Et il est souvent tout seul quand tu vas le voir? Bah, il met souvent du temps à. Le point de rendez-vous, c'est toujours le même. Et quand il me dit j'arrive, il met entre 10 et 30 minutes à chaque fois le temps. Ah ouais, il te fait attendre, c'est pas gentil ça.
Non, c'est pas cool, mais bon, après, je peux bien être sa pute pour ce qu'il m'offre. On te demande pas d'être sa pute non plus. Non, mais enfin, façon de parler, quoi. C'est ta copine, la femme, là-bas, là? Ouais. Elle fait quoi, elle? Bah, là, elle se cache de la pluie. Oh, mon Dieu. Quoi? Mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Regardez, derrière, c'est quoi, ce troupeau? Ah bah, tiens, Raven. Bah, c'est parce qu'ils sentent les mexicains. Y'a tes frérots, non? Non, arrêtez. Les peaux mesquines, non, vous inquiétez pas, messieurs. T'es un sacré bâtard, tu me galagane. C'était une blague, Raven. On fait la paix, on est amis maintenant ou pas? Attends d'abord, on attend un peu. On attend quoi, Raven? Attends, bah tiens, je reviens, on se met là. Parce que là, on chuchote là, non? Oui, attends. Voilà. Dis-moi ce qu'on attend, Raven. Voilà, mets-toi devant moi. Comme ça, toi, t'es sous la pluie, ça, c'est une preuve d'amitié. Voilà. Donc, dis-moi, Raven, alors, on est amis ou pas? Bah oui, on est copains. On est copains, hein. Bon, voilà, on chuchote, donc personne peut nous entendre. Écoute, Raven, merci en tout cas pour tout ce que tu m'as dit. Et la femme, là, elle travaille dans quoi, s'il te plaît? Elle traîne avec qui, elle, souvent, à part toi? Mais t'es bizarre pour un taxi, tu veux quand même pas mal d'informations. Moi, je la protège. Tu veux de l'argent ou pas, Raven? Dis-moi si tu veux de l'argent. Ah oh ouais, j'aime ça, l'argent. Ouais, t'aimerais combien et tu me dis tout ce que je t'ai demandé et tu poses pas de questions? Bah, ça dépend des informations. Bah, combien tu voudrais, dis-moi? Bah, tu veux quoi? Et savoir avec qui elle traîne, on va commencer petit. D'accord, elle traîne avec des policiers et moi et toute ma clique. Et toi aussi, tu traînes avec des policiers? Non, juste avec elle. Ok, donc toi, tu traînes avec elle et elle traîne avec ta clique, toi et des policiers, c'est ça? Eh ouais. Ouais, putain, t'as des gros contacts, hein. Ça fait plaisir, Raven. T'es pas si débile, en fait. T'es même intelligent, je dirais, tu vois, ou pas? Bah, c'est gentil. Ça, c'est vraiment la première fois que quelqu'un me le dit. Honnêtement, là, je sens l'honnêteté dans votre voix, monsieur Magalagalaman. Ah, mais c'est honnête, hein, Raven. Pour moi, tout le monde te prend pour un con, mais tu l'es pas. Et ça, on est tous bien d'accord, hein. Ouais, on est tous bien d'accord, ça c'est sûr. Bon, écoute, je vais te laisser, je t'embête pas plus. Ouais, m'embête pas plus, et tu vas me laisser. Voilà, et on se reparle bientôt. Fais gaffe à tes chaussures, la clope elle est tombée à côté. Ah merde, bah enfin à plus tard quoi, parce que bon, ma chaussure. Bon, j'ai ton numéro, on se recontacte à plus tard. Et j'oublie pas, l'argent. Ouais, ça marche. Bon, je vais vous faire un résumé. Oh, 4 portes. Bah, on va dans la voiture. Mais c'est quoi ça? C'est un Tesla ça? Eh ouais, putain, attends, mais voilà. Ouais. Bon, alors tu l'ouvres cette putain de caisse? Eh oui, elle monte. Ouais, vas-y. Wow. Je vais nous faire un ou deux petits tours là. Ouais, ouais, ça m'impressionnera toujours tout l'électrique, hein. C'est vraiment pas impressionnant. Attends, hein. T'as pas vu l'accélération? Vas-y. Attends, on va se mettre sur une bonne ligne droite. Là, je suis à 0, hein. Ouais. Là, je suis à 120. Ouais, t'es vraiment un monstre. Bon. À droite là, c'était là là. Ah, c'est pas grave. Ouais. Non, quoi, attends, vous allez où là? Du parc, je prends parking pour discuter. Non, tourne tranquillement. Parce que tu vas me ramener au commissariat, il y a ma moto. Okay. En gros, Raven, il a des choses intéressantes. Et c'est un certain Lewis qui lui a acheté sa voiture à 90 000. Un Lewis? Ouais, Jack Lewis, c'est ça. Voilà, ah, Jack Lewis, c'est ça le truc que j'avais entendu. Bah ouais, j'en ai déjà entendu parler, mais ça je sais plus de qui. Ça vous dit quelque chose ou pas, lui? Et moi, j'ai déjà entendu ce nom-là, mais je sais plus de qui. J'ai déjà entendu son prénom, ouais. Enfin, j'ai déjà entendu aussi, et je sais plus de qui. Et il lui a payé une voiture à 90 000. What? Et c'est un mec en ville? Ouais, c'est un mec en ville, ouais. C'est totalement. Et il fait quoi dans la vie, ce Jack Lewis? L'illégal, je pense. Je crois que je l'ai jamais croisé, mais j'en entends parler. Ensuite, la meuf là, c'est Rihanna là qu'ils appellent là. Ouais, ouais, avec ses cheveux longs. Hein. Ouais, va falloir la goumer elle. Ah oui? Ouais, parce que elle m'a parlé, mais elle dit de la merde, elle a l'air totalement débile. Elle traîne avec le Lewis. Parce que là, il y avait un mec. Si, nous, quand on était dans le nord tout à l'heure, on a vu un groupe, elle était dedans, et il y avait pas Raven par contre, mais il y avait Mary, le mec avec un chapeau, enfin pas Mary, je raconte, Merlin, pardon, et un mec avec une moto noire comme Parkinson, mais j'ai jamais vu lui par contre. Il a dit un nom, mais je sais plus ce qu'il a dit. Ouais, je l'ai juste la voiture. Vas-y, voilà. Excuse-nous. Hein. Ouais. Murphy, il a dit. Murphy. Attends, Murphy le flic? Aucune idée. Je me souviens que Merlin, il a parlé avec un mec qui s'appelait Murphy. Et c'était le mec en moto. Attends, c'est quoi la couleur de cheveux de Murphy? Aucune idée, il avait un casque, vite tenté. Ok, bah en gros, je crois que Murphy c'est un flic. Et Merlin, je vous l'ai dit, il collabore avec les flics. Et lui, il est bizarre, Merlin, parce que je lui ai parlé et tout, mais il a l'air débile. Non, mais il est très bien placé. Il fait le débile, mais il est bien placé. Ou en tout cas, il est utilisé en tout cas. Ouais, ok. On en reparlera demain si vous voyez ce que je veux dire. Bon, allez. Ouais, j'ai toujours pas compris la blague de pète et répète, je sais pas quoi là. Ouais, mais c'est pète et répète, ils sont sur un bateau, il y a pète qui tombe à l'eau, qui reste-t-il? Bah, répète. Bah, voilà, donc c'est pète et répète, ils sont sur un bateau, pète qui tombe à l'eau, qui reste-t-il? Bah, répète. Bon, tu comprends toujours pas alors? Bah, non, je te demande de répéter. Bah, ouais, putain. Mais vous faites quoi là depuis tout à l'heure là, vous trois là? Non, on sait pas. Et ben voilà, bon, bah, rentrez à l'hôtel, j'arrive, messieurs. Je vais finir de demander pour mon PPA, j'arrive. Hola, qu'est-ce que t'as?
T'as quel sujet, monsieur McGarrigan? Ah, j'aimerais vous parler, s'il vous plaît, un petit peu en privé. Venez. Merci, monsieur. Je vous écoute. Ouais, vous avez l'air sensible, là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ce putain de commissariat? Non, moi, c'est plus fin de service qui approche, là. On va dire, les yeux se ferment, donc... Ouais, je comprends bien, mais j'ai l'impression qu'on peut plus vous parler entre monsieur Bic, là, qui devient totalement débile, et... Moi, j'ai aucun problème, perso. Ouais, moi, j'ai aucun problème. Et j'avais votre numéro avant, ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que ça serait possible de l'avoir, si ça vous dérange pas, monsieur? Ouais, si vous voulez, pas de soucis, hein. Et il va bien, monsieur Bic, parce qu'il a pas l'air dans son assiette en ce moment. Ouais, peut-être un peu de pression avec tout le boulot qu'on a actuellement. Ah, et le capitaine, il a toujours pas l'air dans son assiette, mais bon, lui, je pense qu'il changera jamais, n'est-ce pas? Je sais pas. Passez une bonne soirée, monsieur. À vous d'aime. Raté une petite place là? Ah non, négatif. Ah, c'est dommage, j'aurais tenté. Demain soir, monsieur. Ouais, ça marche. Vous souhaitons une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Bon, bah, je vous souhaite une bonne fin de service, messieurs. À vous aussi. Bonne journée à vous. Et faudra qu'on discute au sujet de votre PPA à l'occasion. Ah, c'est mauvaise nouvelle encore? Non, justement, ça D'accord. pourrait être intéressant pour vous. Eh ben, écoutez, j'attends votre mail, mon capitaine. Ouais, c'est une bonne ça journée marche. En tout cas. Ouais, vous aussi. Au revoir. Elle a pas fait de blague en partant. Et vous connaissez la blague du lit vertical? Va aller à dormir debout. J'aurais peut-être dû fermer. Allez, go. Eh ouais, mais c'est McGillaghan, toujours aussi surprenant, en fait. Il a toujours le dernier mot. Allez, go. On va se casser. Donc demain, n'oubliez pas que c'est la grosse réunion. On va expliquer le système de chef, sous-chef, radio, tout ça. Va y avoir beaucoup de choses, ça va être très très cool. Ah putain, ma moto au parking central. Mais oui, c'est clair. Ça y est, faut que j'arrête de dormir dans la rue. Chier. Eh ben, on peut dire qu'on est parti en beauté. Eh ouais, encore une belle journée pour McGillaghan.